Le grand rabbin Mordechai Eliyahu, ancien grand rabbin d'Israël Zatzal, enseignait que l'homme est tenu, en l'absence de la femme, est tenu de, aussi bien de faire la frachatrala avec Beracha, comme l'allumage des bougies avec Beracha. Il conseille de faire la tzedaka avant ces deux actions, c'est-à-dire avant l'allumage des bougies, il est bon de faire la tzedaka avant l'allumage des bougies et avant la frachatrala.